Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumendé, à Boumé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2. 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. À toutes et à tous, bonjour. La définition du jour est TGV, qui veut dire train à grande vitesse. Le TGV est une rame automotrice de conception française alimentée par caténaire et propulsé par des moteurs électriques atteignant régulièrement la vitesse de croisière de 320 km/h sur des lignes à grande vitesse. L'intérêt que présente le TGV serait alors celui de la décentralisation touristique. La possibilité de se rendre dans une ville en quelques heures par des trains encouragera sans doute les voyageurs à se déplacer plus fréquemment. Pour finir, nous avons le classement de quelques pays qui utilisent le TGV. Il s'agit de la Chine, du Japon, de l'Espagne et de la France. C'est tout pour la définition de ce jeudi matin. Merci pour l'attention et à très bientôt.